Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du Shaker Anna pour les nitrates. Anna Instrument, c'est une marque que j'utilise depuis un moment et j'ai déjà un certain nombre de shakers. C'est pourquoi quand ils m'ont demandé si j'étais ok pour parler de celui-ci, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est des tests que j'utilise régulièrement. Donc ce shaker Anna, il permet de faire un test des nitrates pour une basse résolution, c'est-à-dire LR. C'est exactement ce qu'il nous faut pour le récifal. Et parce qu'on va être très précis sur des petites quantités de nitrate. C'est-à-dire que celui-ci, il va être utilisable pour des bacs qui sont en ULNS, hein, c'est-à-dire Ultra Low Nutriment System, pour voir à quel niveau de nitrate on est. Et pour ça, la procédure, elle se passe en deux temps. La première chose importante, c'est de liker et laisser un pouce sur cette vidéo. Ensuite, on fait le test d'eau. Pour le test d'eau, qu'on soit clair avant de commencer. Les procédures, c'est vraiment très pointu. Il faut respecter point par point comme un test goutte. Par contre, on va aller beaucoup plus loin en termes d'interprétation. Et il y a énormément d'éléments qui vont être à prendre en compte quand on fait un test avec un shaker, puisqu'on va vraiment être sur une mesure précise. Donc forcément, il y a des approximations que l'on peut faire quand on fait un test goutte qui ne sont pas acceptables pour un shaker Anna. Donc toutes les mesures doivent être vraiment exactes et on doit suivre le processus de façon clair. Le processus, il est long pour faire ce genre de test. C'est pas un test rapide. En soi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que si on veut un test rapide, ok, faites vos gouttes, vous avez une approximation de là où vous êtes, et puis voilà. De temps en temps, moi j'aime bien avoir vraiment une mesure sur laquelle je peux me fier. Donc, c'est là que j'utilise mes shakers. Au niveau donc du nitrate, la mallette, elle fait peur. Soyons honnêtes dès le départ. Quand on voit la quantité de seringues, de fioles, de produits, il y a trois types de réactifs, il y a un certain nombre de seringues, il y a des embouts pour les seringues et ainsi de suite, un filtre à mettre en place. Je vous avoue que au départ, je me suis dit, c'est quoi ce kit de petit chimiste? Donc, j'ai fait mon test. Alors forcément, chez moi, vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, j'étais relativement haut quand j'ai fait mon test. J'étais haut, pourquoi? Parce que, et d'une, je suis en train de tester une nourriture et donc forcément, je nourris fort pour voir à partir de quand ça va venir influer sur mes nitrates et sur mes phosphates. Donc j'ai un autre test qui est en cours qui fait que en même temps c'était très pratique d'avoir ce genre de test. Ensuite j'ai mon écumeur qui était un petit peu encrassé et qui n'a pratiquement pas écumé pendant une semaine et demie, donc j'avais des taux de nutriments dans l'eau qui étaient élevés. Et là, forcément, c'était le meilleur moment pour faire ce test-là avec le shaker. C'est montrer une mesure haute et après, je vais faire d'autres mesures au fur et à mesure. De toute façon, ça va redescendre. Donc, voilà. Voilà l'historique et ainsi de suite. Je vous ai filmé le test pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vais vous montrer ça. Tout de suite, je vous fais des avances rapides, promis, parce que le film d'origine, il est relativement long.
Maintenant qu'on a vu la procédure, donc je ne sais pas si ça s'est bien vu, mais la fiole, on fait attention de bien la nettoyer après. Parce qu'il peut y avoir des dépôts qui vont tacher le verre et donc fausser la mesure. Et on fait attention aussi à nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux, histoire de ne pas avoir de poussière qui vienne atténuer la lecture. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est très intéressant, tous ces Shaker Anna aussi? Personnellement, j'ai pas de soucis, j'arrive à voir les couleurs. Mais il y a énormément de personnes qui sont daltoniennes et qui pourtant font du marin. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais lire un test goutte n'est pas forcément évident pour toutes ces personnes. Avoir un test qui vous donne une mesure lisible sur l'écran, c'est beaucoup plus simple. Puisque on n'a pas à interpréter une couleur. Si on a un défaut de visualisation des couleurs, perso, je ne suis pas daltonien. Je l'ai déjà dit. Par contre, parfois, on hésite entre deux couleurs sur un test colorimétrique classique. Là, on n'hésite pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est à mon sens, l'atout ultime de toute cette gamme-là. C'est qu'on n'hésite pas sur « Ah, je suis plutôt vers 0,20 ou bien 0,25 ou je suis plutôt… » Non, on a une mesure fiable. Pour la petite histoire, le plus ancien que j'ai, c'est le calcium. Il date de 2013. On est en 2021. Donc, il a 8 ans. Il fonctionne toujours très bien. Il y a juste eu à changer la pile. C'est un détail. Et voilà. Donc, pour conclure sur ce test. Donc, je vais peut-être pas tout de suite conclure. On va parler un petit peu de la boîte. Alors, chez Anna Instruments, on a à chaque fois une super boîte. La boîte, on peut tout ranger dedans. Donc, voilà comment que ça se présente. Quand je vous disais que c'était un petit kit de chimiste, on a là les deux fioles de test. On a ici une fiole de mélange. Ici le filtre. Donc deux seringues, des embouts, une petite pipette. Bref, on a de quoi bien faire nos tests. Donc nos trois réactifs, tout est bien rangé et on a une documentation en anglais. Si votre anglais n'est pas très très bon, toutes les docs sont traduites sur le site internet et téléchargeables pour les avoir en français. Donc ça, vous le téléchargez en français, vous l'imprimez et vous êtes tranquille. Hein, personnellement, j'ai cette flemme-là. Hein, je me les imprime en français. Avec la petite imprimante laser qui va bien et qui agrafe au milieu en plus, c'est vraiment cool. Et puis, on se fait notre dit. Alors là, je l'ai fait en demi A4, mais on peut le faire en A4 complet si on, selon les besoins de ophtalmiques de chacun. La doc, grosso modo, le test, c'est toute cette procédure. Donc, il suffit de… Là, la procédure commence. Là, ils expliquent un petit peu les différentes choses, la préparation. Donc, il faut préparer le porte-filtre, ce genre de choses. La procédure de mesure de ici et là. Et quelques conseils pour les mesures fiables. Comme par exemple, nettoyer l'extérieur de la fiole. On a aussi toutes les informations en cas d'erreur. Comment on change une pile. Et puis, comment utiliser les seringues pour mesurer. Et quels sont les accessoires qu'on peut commander à part. Puisque chaque élément de la mallette a un code et on peut tout commander à part chez Anna Instruments. Donc si je casse une fiole parce qu'elle est tombée, c'est pas un souci. Je prends une fiole, je la commande. Alors c'est pas donné, donc on va éviter de les casser, mais tout est commandable. Maintenant, est-ce que je le conseille?
Alors, je vais de toute façon être clivant sur ce point-là. Personnellement, oui, je conseille. Je veux dire, j'en aurais pas 5 si je le conseillerais pas. Hein, que ce soit clair là-dessus. Simplement, je vais vous dire le type de personnes à qui je les déconseille. Parce que parfois, je renvoie des personnes qui me disent « Ouais, j'ai les tests ANA, j'arrive pas à les utiliser, les résultats sont difficiles à interpréter, c'est pas reproductible et tout ça. » Alors que perso, j'ai jamais eu de soucis et je trouve que justement, les résultats sont très reproductibles. Je vous les déconseille si pour vous, faire des tests, c'est un stress. Je vous les déconseille si suivre une procédure pas à pas, vraiment en suivant une documentation qui est rédigée, j'ai envie de dire un peu façon chimiste, vous dérange. Parce que, qu'on soit clair, le langage utilisé, c'est à l'aide de la seringue de 10 ml, insérer exactement 7 ml d'échantillon dans la cuvette de mélange la plus large. Donc il faut savoir que quelle est la cuvette, quelle est la seringue, et il n'y a pas énormément de pictos. C'est le seul truc. Il y a des pictos, mais par rapport à certains tests gouttes, il n'y a pas énormément de pictos. Donc si vous préférez suivre des images, voilà. Après, il y a des temps d'attente. Les temps d'attente, on peut les faire en appuyant sur le bouton qu'on a là. Donc, c'est rien, hein. C'est juste, hop, on appuie, ça lance un chrono, et puis on va voir les choses. C'est un test, comme dit, très de précision, donc on va vraiment éliminer tout ce qui pourrait interférer dans la mesure, ce qui, parfois, n'est pas fait sur certains tests gouttes, qui sont plus du rapide, une lecture rapide. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de pointu, de précis. Si ces termes de chimie vous semblent barbares, je vous déconseille d'utiliser cette mallette-là. Parce que, oui, au niveau des explications, c'est pas forcément le plus accessible. Après, c'est tout. Si on est rigoureux dans le suivi, on a zéro stress. Donc, on suit bien la notice. Qui est-ce qui peut ne pas apprécier? Sinon, je vois pas vraiment. C'est plus une organisation personnelle et une rigueur personnelle qui fera que vous aurez de bons résultats de mesure ou pas. Quand je parle de bons résultats, c'est pas le chiffre, c'est en soi. Ça, on mesure l'eau qui est là-dedans. Je parle de bons résultats dans le sens fiabilité. La fiabilité de votre résultat dépendra de votre capacité à faire la manipulation dans le bon ordre, avec le bon timing, sur un endroit, à être un endroit calme. Je vous déconseille aussi de le faire si vous avez 4 enfants autour de vous qui crient, qui jouent, qui font du foot dans la maison. Ce ne sera pas possible parce que ils vont vous perturber dans la mesure. Faites-le à un moment où vous êtes au calme, tranquille. C'est votre moment à vous, seul. Mais pour les tests en goutte au final, vous le faites dans les mêmes conditions. Donc, c'est pas exceptionnel. Faites attention, prenez votre temps pour faire vos tests. Donc forcément, oui, je vous le recommande. J'espère que cette vidéo sur le test... J'ai mis où la boîte? Là. J'espère que cette vidéo sur le test nitrate de chez ANA Instruments vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre. Ah, détail aussi, on peut acheter les réactifs à part. Donc là, c'est les réactifs HI780-25. Donc là, on a un kit complet. Donc on va avoir la bouteille de liquide, le
donc le réactif A, le réactif B, le réactif C, dans les bonnes doses, pour faire 25 tests. Hein, c'est bien ça? Oui, 25 tests. Donc, avec une boîte comme ça, on fait 25 tests. Vu que c'est un paramètre qu'une fois qu'on est lancé, on ne le fait pas tous les jours, la date d'expiration, ici, on est déjà sur du novembre 2025. Donc, moi qui fais à peu près 5-10 tests par an, je suis large avec une boîte comme ça de 25 tests. C'est... Voilà, je teste pas tous les mois, hein, au cas où certains se posaient la question. Je ne les utilise pas tous les mois ou tout le temps. Je suis un utilisateur, on va dire, parcimonique de ces outils-là, mais je les aime beaucoup. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un pouce vers le haut, et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs.